Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ratchet & Clank 3. Et du coup, nous voici au Phoenix, hein. J'ai fait pas mal de choses hors caméra, hein. Du coup, le fait de faire le troisième Quark et pas mal d'opérations de destruction aussi. Et du coup, là, nous, on doit aller sur soit réparer les lasers des satellites là, ou on doit retrouver Courtney Gear. Bah, je pense que on doit aller l'un après l'autre, hein, donc hop. Donc, on va aller d'abord réparer les lasers. Ah, c'est une planète en fait. C'est une mi-planète, on va dire. L'amo disque tire des disques tranchants qui se dirigent vers les ennemis. S'il touche un mur, les disques ricochent. Oh, ça a l'air d'être bien ça. J'ai besoin du réfracteur. Bon, apparemment ça a l'air d'être un truc assez rapide, mais bon ça j'en sais rien après tout. Allez, hop. Du coup, sur cette planète, il y a deux petits boulons, alors, si je comprends bien. Il y a des boulons en titane, alors, sur cette planète. Que c'est les plateformes qui sont apparues là. Je veux voir quand il va arrêter. Non. C'est un peu glauque, on va dire. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce machin, mais bon. Bon, c'est pas grave. Si c'est grave en fait. Ah.
what? Ah, il faut aller là-bas, d'accord. J'ai vu. Alors ensuite, il faut aller là-bas, ok. What? Je sais pas ce qui s'est passé, mais d'accord. Là, il y a un bouclier, peut-être que c'est par rapport au machin là. Pas toucher là, si. Bah, ok, ça a rien à voir en fait, du coup. On est où du coup nous? Celui-là il est fait, celui-là il est fait, celui-là il est fait. Qui va là, qui va là. Celui-là il va là, et là c'est celui-là en fait, du coup. Et nous on est là, d'accord, on est pas mal là. Nickel. Allez, hop. Du coup, là, on est sur une nouvelle planète, alors. Oh, il est immense ici. Ça y est, plus personne. Là, il y a un boulon en titane là. On va le récupérer et on va retourner là-haut. Ça fait un flash, ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, c'est pas grave. Thank you.
Bon, bah on continue. Allez, on récupère un peu de vie et c'est bon, on est parti. Tiens, d'ailleurs, mon fouet a monté de niveau 4, j'ai pas fait gaffe. Oui, il reste plus qu'un level. Ok, il faut repartir par là. Il faut de la vie aussi, hein. Couvrez-moi! Oh, oh, ma terre! C'est bon, Skid, le combat est fini. Cool! Je veux dire, désolé, mec. En fait, je voulais arriver plus tôt, mais j'ai dû faire face à un fâcheux contretemps. Des troupes ennemies? Pas tout à fait. Il y avait du monde au Galaxy Burger et j'avais grave la dalle, alors... Laisse béton, tonton. On dirait que cette dernière lune est entourée d'un champ de désintégration de classe Oméga. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est pas bon. Si au moins j'avais du matos, je pourrais pirater ce générateur et désactiver le champ. Ça tombe bien, les mecs! Regardez ça! Et attention, recule, man! J'assure comme un pro avec cet engin. C'est pas pour les filles. C'est un pied de biche. Qu'est-ce que tu vas faire avec un pied de biche? Il est foutu! C'est pas grave. Un appel des Rangers Galactiques. Sergent, Blackwater City est attaqué. Les Noïdes ont surgi de nulle part. La situation est extrêmement... on se fait canarder grave, chef. Sauf qui peut... chef, demandons renfort d'urge. Genre... Wow, je vais devoir annuler cette virée en overboard à Blackwater City. Les Rangers ont besoin de nous. On décolle. Je vais vous rejoindre, les mecs. C'est que c'est pas de la tarte, ce truc. Ok, alors on dit que tu nous appelles dès qu'il y a du nouveau. D'accord. Allez, mon vaisseau, et il faut aller au studio pour aller voir Courtney Guerre maintenant. Victor, activez le système furtif. À vos ordres, chef!
Là, nous... Oh, le trou. Coupez, on arrête. J'en ai vraiment marre que tu gâches tout, petit. Trouve-toi un autre boulot. T'es viré. Va me chercher le singe. Ouais, on se retrouve à la première, Clank. Agent Clank, voici ton nouveau partenaire. Ok, on oublie la poursuite et on enchaîne direct avec le final. Tu as bien lu le script jusqu'au bout. Bon, d'abord, tu échappes de justesse à une série de pièges mortels. Là, tu bats la terreur de Talos. Voilà. Enfin, tu sauves la baronne, interprétée par la ravissante Courtney Gears. Ok. Et action! Ouais, il y a vraiment pas mal de lag. Hein. Ok, dans cette scène, tu corriges les costauds et tu fonces à la poursuite de Maximilian. Essaie d'être crédible, ok? Action! Ouais, t'es bien dans le rythme. Fonce dans le bureau de Maximilian avant qu'il ne s'échappe. Ok, Clank est à ses basques. Maximilian essaie de le semer dans les embouteillages. Super, j'adore les courses-poursuites. Oh, j'ai pas mal de lag en fait, en vrai. Pourtant, c'est des petites planètes hein, où il n'y a pas trop d'ennemis, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Ok, tu t'en sors bien, petit. Évite les lasers et retrouve le singe sur le parking du casino. L'agent Clank et le singe doivent oublier leurs différends et s'allier pour atteindre la corniche. Je veux en avoir les larmes aux yeux, ok? Y a plus de pont. Allez, comment ferait l'agent Clank pour traverser? Où le singe encore là? Bon, il va se dépêcher en tout cas, le petit singe là. T'es censé jouer, Clank. Alors joue. Bah attends, eh oh. Ah, j'ai plus de robots, ils sont morts. Bah oui. Ils vont venir là. Ouais, ils arrivent. Final, le Clank géant contre la terreur de Talos. Ne fous pas tout en l'air, gamin. Action! Ah
que je veux. Ok, faites entrer les ninjas géants. Allez, hop, c'est bon, c'est fait. Une journée comme les autres. Coupé ! On la garde ! C'est dans la boîte, mes loulous ! Tu vas faire exploser le box-office, Clank ! Même les critiques vont adorer ! Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'être sauvé par un grand gaillard en alliage de titane comme vous. Et si vous me disiez ce que prépare le docteur Nefarious ? J'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas le lui demander vous-même ? Quoi encore ? J'ai un cadeau pour toi, mon gros canard laqué. Ah ! Ne m'appelle plus jamais comme ça ! Amène-moi l'agent, Clank ! D'accord, chérie. D'accord, il s'est fait... Suis-je ? Quelqu'un m'entend ? Je dois être... Agent Clank, je suis honoré de faire enfin votre connaissance. J'ai suivi votre évolution depuis votre toute première mission, quand vous avez vaincu les morveaux monstres voleurs d'âmes de la Dimension X.
Je crois qu'il y a un gros malentendu. L'agent secret Clank n'est qu'un rôle que j'interprète sur Holo. Mensonge ! Mensonge ! John, ne te pas. Je n'ai pas le droit. Tu es le fils de l'oncle de mon cousin. Vous êtes un héros pour tous les robots de la galaxie. Et vous refusez d'assumer votre destinée. Vous préférez plutôt lécher les pieds des bouseuses organiques. N'avez-vous plus aucune dignité, agent Clank ? Les formes de vie organiques ont autant le droit d'habiter cette galaxie que nous. Je ne vois aucune raison d'exclure... Vous voulez une raison valable ? Allions-nous, et ensemble, nous dominerons la galaxie des robots. Si vous refusez, vous continuerez de trahir les vôtres. Et vous suivrez alors vos bouseux adorés, jusque dans les méandres de l'oubli ! D'accord. Il est un peu fou, ce mec, mais bon. Je comprends pas, Clank aurait déjà dû revenir. Pourquoi il met autant de temps ? Rapidement sur la touche R1 pour décoller avec les superbots. Je dois aller où là? Ah oui, il y a un petit endroit là apparemment. Il y a un peu trop de monsieur là, si tu vois ce que je veux dire.
Ok. Il y en a quand même un peu beaucoup, hein. Il y a quatre manches, sérieusement. Ok, c'est la troisième. Ça fait un peu beaucoup quand même. Ok, c'est bon, c'est la dernière normalement. Ok, voilà, nickel. J'espère qu'il n'y en aura pas autant. Il y a encore 4. Ça fait beaucoup de choses à faire. Ok, ensuite. Ok, la troisième. Non, ça c'est la quatrième, ok. Ok, nickel.
Ok, nickel. Il m'a fait peur, sur le moment, mais bon. Bon, je vais atterrir où, parce qu'avec tous ces mobs là, la con. Oh, j'étais presque à la fin, sérieusement. Il y a énormément de lag quand même. Pas visé en tout cas. Tu pouvais me toucher, hein, clairement. Méchant, va. Clank, mais où t'étais passé? Je commence à m'inquiéter, moi. Je me faisais graisser les pignons. Ouais, t'as bien choisi ton moment, mon vieux. Elle est où, Courtney Gears? Miss Gears a quitté la planète. Que quoi? Et pour Nefarious, alors? Elle t'a dit où il était? Il est à bord d'un croiseur galactique du nom de Léviathan. Ah, ok. Bah, bien joué, Clank. Bon, bah, j'appelle Sacha pour lui dire de pister ce croiseur, alors. Bon, bah, voilà. Ça, c'est fait. Du coup, ça veut dire que je dois retourner au Phoenix pour Sacha, on va dire, vu qu'elle s'appelle comme ça.
je vais regarder s'il n'y a pas une nouvelle armure parce qu'on prend quand même pas mal de dégâts, hein, je remarque. Non. De toute façon, là, la suite de la vie, la suite, ça sera du coup Blackwater City. Hein. Mais ça, on verra plus tard, je pense. Je pense que je peux m'arrêter là. Donc, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle, hein, où on se retrouvera sur une nouvelle planète, hein, du coup. Salut et